Donc un petit quart d'heure sur les 40 ans de CB parce que c'est cette année le 40e anniversaire de carte bancaire. Une histoire française parce que en 1984, qui est la date de naissance du vieux carte bancaire, la pulsion a été donnée par les politiques, en l'occurrence Pierre Bérégovoy, pour créer un système de cartes domestiques, un scheme domestique, vu comme étant une des infrastructures du pays dans le cadre de sa souveraineté. C'est un petit peu sur le même modèle de ce qu'on a pu connaître en France sur l'énergie nucléaire, les autoroutes, l'aéronautique, tout ce qui constitue maintenant les infrastructures du pays. On était à peu près sur le même modèle. Et on a, sur un modèle très français, ou d'ingénieur français, je dirais, créé un GIE qui a la spécificité de traiter, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux autres industries, à la fois la solution technique, les règles du jeu, mais aussi derrière les conditions économiques. Ce qui est un modèle assez original et qu'on pratique beaucoup en France. Quand vous regardez dans les autres pays, c'est quelque chose qui est peu habituel. Alors déjà, chez les Anglo-Saxons, de créer ce genre de sociétés qui sont des non-profitable organizations, ça fait toujours un peu bizarre. Mais c'est aussi derrière, dans le domaine de la carte, quelque chose d'assez spécifique, parce qu'on n'a pas été dans une logique de silo, comme en Allemagne, après une interconnexion des réseaux, mais qui avait été très très loin dans leur indépendance. On n'a pas été sur quelque chose de complètement monopolitique, comme en Belgique, jusqu'à créer même ses propres TPE. On n'a pas été non plus dans une approche très marketing, comme l'a pu l'avoir Visa, en misant beaucoup sur l'émission, et parce qu'il y avait beaucoup de porteurs de cartes pensant que les commerçants allaient accepter la carte. Ou à l'inverse, dans une optique très technique, qui était la Roche Mastercard, qui était de dire je facilite l'acceptation de mes produits par les commerçants, et de ce fait, les porteurs auront plutôt tendance à prendre la carte qui fonctionne le mieux chez eux. Donc c'est quand même un modèle qui est assez original et qui a fait quelques preuves, puisque maintenant, 40 ans plus tard, on est toujours présent avec plus de 80% de parts de marché. C'est un modèle aussi qui a permis d'innover, mais d'innover dans une logique un peu industrielle. Bon, alors on parle tout le temps de la carte à puce. Qui effectivement a été adoptée sur la carte CB, cette carte à puce qui permettait le PIN online, qui fait que derrière, nous sommes encore le pays qui a les transactions les plus rapides du monde. Et ça, cette infrastructure nous permet de l'avoir, et ce qui du coup devient un peu une explication aux freins sur un certain nombre de nouveaux moyens de paiement qui ont du mal parfois à rivaliser avec cette rapidité de transactions. En France, nous sommes le pays qui a la transaction la plus rapide au monde. Et ce, de manière assez significative, et c'est dans notre usage. Dit autrement, dès qu'on est un petit peu lent, ça nous devient insupportable parce que depuis qu'on est né, on a l'habitude que c'est quasiment instantané. C'est d'ailleurs un challenge dans le cadre du online, qui est d'ailleurs la vague de fond sur laquelle on est en train de rentrer. On a aussi d'autres éléments d'innovation qui sont arrivés au niveau du e-commerce, par exemple. Typiquement, on a le système d'authentification en France, qui s'appelle Fastor by CB, qui est le plus efficace en Europe. Alors, tout simplement aussi parce qu'on est un pays qui est fort utilisateur de la carte. CB, c'est de l'ordre de 14 millions de transactions par an. Si vous prenez le scheme CB en Europe, c'est à 21% de parts de marché pour un scheme qui est uniquement au niveau du territoire national. Dit autrement, on talonne Mastercard qui est pan-européen en étant uniquement sur la France. Alors, ce n'est pas parce que CB est très fort, c'est surtout parce que les Français sont forts utilisateurs de la carte et de manière significative. Mais tout cela donne des données qui nous ont permis sur le e-commerce d'adapter la carte au e-commerce, alors que la carte n'a jamais été créée pour faire des transactions à distance. Ce n'était pas du tout l'objectif de ce bout de plastique. Mais grâce aux données, on a réussi à pouvoir adapter le produit et à le transposer dans le domaine du e-commerce sans finalement grande douleur. Parce que derrière, ça nous permet de développer des services innovants, qu'ils soient liés au score d'acceptation, qu'ils soient liés au score de lutte contre la fraude, etc., 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 qui sont des paris technologiques que d'autres pays n'ont pas fait, ou que d'autres schemes n'ont pas fait. Donc l'innovation continue dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les 40 ans de CB? Ceci dit, il y a quand même une chose fondamentale qui a évolué au niveau de CB, c'est qu'on était dans une quasi-forme monopolistique jusqu'à il y a peu de temps, sous l'impulsion du marché et aussi de la Commission européenne. De nouveaux acteurs sont venus concurrencer CB sur son marché domestique, notamment Visa, Mastercard, mais d'autres encore. Ce qui fait que petit à petit, et ça c'est la loi de la concurrence, les parts de marché sont passées grosso modo de 97% à 80% de parts de marché à l'heure actuelle. Ce qui a donné derrière une grande évolution et une grande impulsion fin 2022 au niveau de carte bancaire. Pourquoi? Il y a eu un projet de création de carte européenne qui a eu lieu il y a maintenant 5-6 ans.
en tout cas sa deuxième version, qui s'appelait EPI Card, et qui finalement a avorté. Ce qui fait que derrière, la perspective d'avoir un moyen de paiement carte qui soit purement européen, qui permettrait de véhiculer l'euro, a été abandonnée à l'été 2022. Ce qui fait que les banques françaises se sont retrouvées derrière avec une solution qui était a priori une solution européenne sur laquelle CB allait être apportée dans la corbeille nuptiale, avec une solution qui était de rester avec son scheme domestique. Donc la décision a été prise de réarmer CB, de réinvestir dans CB, compte tenu des enjeux que ça représentait en termes d'infrastructure de paiement, des enjeux que ça représentait en termes de souveraineté, et aussi des enjeux que ça représentait en termes de modèle économique. Donc, on a depuis maintenant, début 2023, un plan qui s'appelle le plan dynamique 2026 et qui est un plan qui amène CB tout doucement à évoluer sur trois axes. Le premier, c'est la digitalisation des paiements. On a tout un pan qui devait être pris auparavant par le projet européen et qui, le projet européen ne se vend pas, on se confronte à un trou d'air. Donc là, très clairement, les banques mettent les bouchées doubles pour rattraper le retard. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur le paiement mobile. C'est ce qu'on voit derrière sur un certain nombre de services connexes au niveau du e-commerce. Mais c'est aussi derrière tout un tas de services qui vont commencer à se développer, à commencer par le déploiement du PIN Online, où derrière le geste de paiement que nous avons est un geste de paiement qui va finir par s'uniformiser. Actuellement, quand vous utilisez votre carte, vous utilisez la plupart du temps votre carte en sans contact à en dessous de 50 euros et à contact au-dessus de 50 euros. Là, avec le PIN Online, alors le terme barbare qu'on utilise, c'est le déploiement FRV6, on va aussi pouvoir payer sans contact au-delà de 50 euros. Donc le geste de paiement, donc la partie très comportementale du paiement, va être exactement la même. Ce qui fait que derrière, au niveau du paiement, le sujet ne sera plus l'art et la manière de payer, mais quel est le facteur de forme qu'on va utiliser ? On commence déjà à voir l'énorme succès que peut avoir le paiement mobile, qui d'ailleurs a été l'héritier de l'énorme succès du sans-contact, qui a, hélas est l'héritier aussi du Covid, hein, pour le coup. Rappelez-vous qu'avant le Covid, on avait des gens avec des paraboles de 90 cm à côté de vous qui étaient des grands méchants pour vous piquer vos coordonnées bancaires. C'était ça, hein, avant le Covid. Et le Covid, là, malheureusement, les a tous tués, apparemment, parce qu'il n'y a plus ce problème-là. En tout cas, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on aura à peu près le même moyen, de la même manière de payer tous, que derrière les zones d'acceptation vont s'harmoniser par rapport à cela, l'enjeu va être quel est le facteur de forme qui est le plus pertinent pour vous. Actuellement, on a la carte, on a le paiement mobile. Rien ne dit que demain, ce ne sera pas la bague, la lunette et que sais-je encore. Et là, pour le coup, il y a un vrai champ d'innovation qui va commencer à arriver et qui sera l'un des combats de demain. Et avec ces facteurs de forme, vont être associés des services qui vont intervenir. Je pense que l'avenir est encore à inventer sur ce sujet-là. On a aussi derrière un autre axe qui est un axe de communication. À partir du moment où, même si en France, ça n'a pas tellement de sens, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, il y a des marques qui sont très clairement identifiées par les porteurs entre cet argent, c'est de l'argent, c'est de la carte de débit, c'est mon compte courant qui est débité, cet argent, c'est une carte de crédit, c'est l'argent de la banque qui est débité, et à chaque fonctionnalité correspondent des marques. En France, il y a un melting pot un peu de tout ça. D'ailleurs, en France, on a été assez créatifs sur le sujet. Typiquement, la carte à débit différé, qui correspond à peu près à 40% des porteurs en France, c'est une invention française, à tel point d'ailleurs que les Anglais ont inventé un terme spécifique pour ça, parce que ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons. On parle de charge card, et typiquement, il n'y a qu'en France que ça existe, ce type de sujet. C'est avec parfois quelques difficultés un peu rigolotes, d'ailleurs. Quand on a voulu définir ce qu'était une carte de crédit, tout allait très bien, sauf en France, où la charge card en question ne répondait à aucune définition prévue dans le manuel. Donc il a fallu quelques temps de négociation avec la Commission pour se mettre d'accord sur le fait si c'était du crédit ou pas du crédit. Alors au final, c'est du crédit. C'est pour ça que vous voyez la notion arriver sur la carte, ce qui a posé d'ailleurs des problèmes, parce que vous, en tant que Français, vous dites « mais c'est pas du crédit, c'est du débit différé ». Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même quelques spécificités qui traînent encore. Par rapport à cette partie-là, on s'aperçoit quand même que derrière, au fur et à mesure, en demandant le choix de la marque, il faut aussi donner du sens à la marque. CB, dans une logique de position hégémonique, n'avait pas tellement cette question à se poser. À présent, en position de concurrentielle, il y a quand même un certain nombre de messages à faire passer, ce qui explique les récentes prises de parole que vous avez pu voir, soit par des manifestes, soit par un certain nombre d'organisations de manifestations assez importantes qui vont solliciter soit les industriels, soit les commerçants. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub en passant, mais pour les commerçants, il y a la journée du commerce qui a lieu le 28 juin à la station F et qui est vraiment un moment dédié pour les commerçants. On a aussi un certain nombre d'autres événements qui commencent à s'ouvrir, un certain nombre de sponsoring.
Alors, la chose n'a pas été si évidente que cela, parce que quand vous cherchez, parlez sponsoring, vous parlez valeur. Et il se trouvait qu'assez naturellement, finalement, c'est le vélo qui est apparu comme étant un sport qui correspondait pas mal à nos valeurs. Un sport populaire, un sport résilient, un sport où pour gagner, il faut travailler. C'était des choses qui nous allaient plutôt pas mal. On a aussi un certain nombre de prises de parole pour expliquer ce que c'est CB. Donc là, on a commencé sur une trajectoire à 3 ans, les premières communications. Vous avez pu le voir, payer français ou payer Made in, c'est mieux de le payer Made in France. L'idée, c'est de commencer à ancrer ce type de marque dans à quoi ça correspond. Donc on y va tranquillement. Et puis on a aussi un troisième axe de développement qui commence à pointer le bout du nez. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau au niveau de l'organisation carte bancaire. C'est la notion de business development. Auparavant, cette notion-là a été mise au niveau des banques qui, elles, faisaient, si je veux dire, leur affaire de faire la promotion de CB auprès de leurs clients, auprès des end-users. Très clairement, les choses ont changé, le marché va plus vite, et donc les banques ont demandé de réinternaliser au niveau du scheme cette composante. Ce qui amène derrière CB à se doter d'un certain nombre de structures et d'outils pour animer ses clients. Donc ça va être les banques, et quand on dit les banques, c'est les banques classiques qui ont d'ailleurs créé CB, c'est leur filiale, mais c'est aussi les pure payers. On commence à arriver à voir ce qui n'existait pas encore avant. Des pure players dans le domaine de l'acquisition, par exemple, mais aussi les néobanques, en tout cas pour certaines d'entre elles. Donc très clairement, il y a un champ d'investigation assez important. Mais aussi les commerçants. Vous avez pu voir derrière, les commerçants sont des acteurs de plus en plus importants dans l'écosystème. Même s'ils ne participent pas à la gouvernance, ils ont leur mot à dire, parce que tout simplement, c'est eux qui payent les factures. Quand derrière, vous avez les commerçants qui vous expliquent que leur facture a été multipliée par 10, parce que le déco-badging, ce n'est pas juste une histoire de crayon de couleur, c'est aussi une histoire de pognon, et que ils le voient, eux, dans les factures qui leur sont répercutées, il y a un moment donné, il faut aussi s'en occuper et faire derrière un certain nombre de choses de manière à ce qu'ils continuent à accepter CB. Mais il y a aussi derrière d'autres actions au niveau des accepteurs de solutions CB. Typiquement, auparavant, CB était un acteur incontournable sur le marché français, la question ne se posait pas. Maintenant, avec des approches pan-européennes, vous avez tout un tas de players qui arrivent sur le marché français, qui ont une vision pan-européenne, qui ne cherchent pas spécialement à s'adapter aux schemes domestiques, qui ne les ont d'ailleurs pas forcément sur leur radar, et qui arrivent derrière, sur le marché, en déployant des solutions qui ne sont pas toujours pertinentes. Pas pertinente sur trois grands aspects qui sont souvent les fonctions régaliennes de CB, enfin les atouts régaliens de CB. Le premier, et c'est notre raison d'être, c'est le coût. On est un GIE, donc ça veut dire derrière qu'on est une non-profitable company. Dit autrement, dès qu'on fait du bénéfice, ça se traduit par un réinvestissement dans les structures. Donc là, on traite la résilience ou par une réduction de coûts. Typiquement, cette année, on gère une inflation de l'ordre de 7 à 8% et pourtant, on va encore baisser nos coûts. Parce que derrière, on n'est pas là pour rémunérer un actionnaire, on n'en a pas. Donc ce n'est pas très compliqué. À partir de là, on a juste à appliquer cette règle de 3. L'autre, je sens que je vais être bavard, mais je finis. L'autre fonction régalienne, c'est la lutte contre la fraude. Alors, je ne vais pas vous raconter qu'on a les meilleurs du monde, que les outils chez nous sont plus exceptionnels. On joue simplement d'un énorme avantage que nous avons, c'est qu'on a 80% de part de marché. Pour être un peu caustique de temps en temps, je dis derrière qu'on ne fait qu'appliquer le théorème d'Evelyn Delia. C'est plus j'ai de données, plus mon bulletin météo il est fiable. C'est nous qui avons le plus de données. Donc on va exploiter ces données et on va les exploiter pour avoir une lutte contre la fraude qui soit la plus pertinente. Dit autrement, on va embêter à minima le porteur en donnant un maximum la confiance au niveau de la banque pour que la transaction se déroule le mieux possible. Et c'est des choses qu'on va accentuer, on va même les abuser. Typiquement, les transactions que nous n'avions pas auparavant, qui étaient des transactions onus, c'est-à-dire un échange direct entre le commerçant et la banque, qui représente à peu près 30% des volumes en France, là aussi une spécificité mondiale, liée notamment à la grande distribution, autre spécificité mondiale, on va les récupérer. Ce qui fait que derrière, notre échantillon va augmenter de 30% en volume, et donc notre pertinence va augmenter d'autant. Donc on va continuer à, si j'ose dire, accélérer sur cet avantage compétitif. Et le dernier élément qui permet derrière de relier les deux, c'est notre meilleure acceptation, notamment dans le domaine du e-commerce. Là, la réponse, elle est assez simple. C'est que tous les outils que l'on met à disposition des banques pour accepter les transactions qui sont faites en e-commerce, qui par définition sont les transactions les plus risquées, ce sont des outils qu'ils ont définis, qu'ils ont co-construits avec nous et qu'ils co-gèrent. Donc, grosso modo, les informations qu'on leur donne, ils ont un peu l'impression de jouer à domicile, ils ne sont pas schizophrènes. Ce qui fait que derrière, ils ont tendance à avoir, et c'est assez humain, je dirais, vous avez vu, j'ai mis côté humain et banque dans la même phrase, et c'est assez humain
d'avoir confiance dans ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont construit et ce qu'ils gèrent. Et donc, ça nous permet d'avoir cet autre avantage sur lequel on va pouvoir capitaliser au fur et à mesure du temps qui passe, sachant qu'on est en plein dans l'actualité actuellement. Il y a aussi d'autres sujets dont j'aurais voulu vous parler, mais peut-être qu'il y aura des questions, je ne sais pas. Non, ben, ce sera pour l'année prochaine, du coup. Merci beaucoup, Roland.